to remember this one. Okay, I'm coming. Love it. As well. Okay. Hey. What's up? Hello. Oh, sorry. How are you doing? Great. I'm hanging on the ceiling. And bang. Salut à tous, aujourd'hui un épisode consacré à la microgravité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Novespace qui organise des vols paraboliques en 0G qui m'a invité. Ça fait quelques temps déjà qu'on essaie d'organiser ce truc-là. Et l'occasion était belle, du coup, pour demander à quelques homologues internationaux de venir me rejoindre pour participer à ce vol. J'ai donc demandé à Derek Muller de la chaîne Veritasium, ainsi qu'à Diana Cowan de la chaîne Physics Gear, de venir m'accompagner donc pour faire ce vol parabolique. Ça a été un petit peu compliqué à organiser, mais on y est arrivé. Et donc, quand ils sont arrivés en France, notamment, on a fait un petit meet-up à l'ESPCI à Paris. C'était très, très cool. Suite à quoi, on s'est rendu à Bordeaux pour le briefing de... Oui, parce que ça, c'est une règle hein, en aéronautique. C'est-à-dire qu'on ne vole pas sans avoir fait de briefing avant pour dire ce qu'on va faire. Dès qu'on est dans un avion, on a toujours un objectif. Hein, même le pilote, hein, le pilote dit maintenant je vais monter à 4000 pieds, maintenant je vais voler à 250 nœuds, maintenant je vais descendre à 3000 pieds, il y a toujours un objectif, et donc il y a toujours un briefing avant. Petit briefing durant lequel on a pu prendre connaissance des autres activités du vol, à savoir qu'il y avait quand même aussi un petit groupe de personnes qui faisaient des expériences en VR, en 0G. Je répète, des expériences en réalité virtuelle, en 0G. Je l'ai pas testé, mais ça a l'air d'être ultra terrifiant comme truc. Et on avait également une danseuse qui venait faire de la danse en 0G. Si j'arrive à retrouver le nom de sa chaîne ou de sa page, tout ça, je vous mets les infos dans la description parce qu'elle fait des trucs assez dingues. C'est un peu la Lindsay Stirling de la danse. Et voilà, mais vous allez voir, vous allez voir. Suite au briefing, bien évidemment, on a eu droit à notre petite piqûre pour ne pas gerber. Ok. Remarque, on peut le faire. Ah bah oui. Allez. Alors d'habitude, t'as déjà eu des tatouages? Non. Eh ben c'est pas pareil. D'accord. Du coup c'est cool. C'est une piqûre quoi. Ouais mais c'est... Laisse bien tomber le bras. Voilà, ah, là, c'est le muscle ça. On sent. T'es bon? Interdit de piscine. Interdit de piscine pendant 6 ans. Mais fallait le dire avant ça. Alors, c'est quel nom? Benamran. Bruce. Yeah. Bruce. Yeah. Bruce. Bah, oui. Ils ont mis Bruno? Bah ouais, je suis désolé. Bruno, c'est mon cousin. Tant pis. Alors là, petite parenthèse pour expliquer comment ça se passe. Dans la vidéo que j'avais faite sur l'essence, j'avais expliqué justement d'où pouvait venir le mal de mer, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait un vol parabolique, il y a des parties du vol durant lesquelles on est en hypergravité. À la limite, c'est pas tellement le 0G qui pose problème, hein. C'est vraiment l'hypergravité qui pose problème, c'est-à-dire qu'on est quasiment deux fois plus lourd. Et donc, quand on bouge la tête, l'oreille interne qui interprète ces mouvements de tête ne comprend pas pourquoi c'est deux fois plus intense que d'habitude. Et c'est là qu'on peut être malade. Donc du coup, on prend une piqûre de scopolamine, hein, qui est un médicament de ouf. Je ferai peut-être une vidéo annexe sur la scopolamine parce qu'il y a vraiment des choses à en dire. Notamment le fait que, bah, je vous laisserai Google, le fait que c'est une drogue qui est connue sous le nom de drogue des voleurs. Voilà, voilà, voilà. Qui, si elle est un tout petit peu surdosée, peut provoquer des hallucinations, des délires, etc. Mais dont le premier effet est d'empêcher le cerveau d'envoyer le signal comme quoi il faut vomir. D'ailleurs, en étudiant ce sujet, j'ai appris que les rats ne vomissent pas. Non. Les rats ne vomissent pas. Et alors comment ils font pour pas vomir en cas d'empoisonnement, tout ça? Bah en fait, ils ont vraiment développé un odorat et un goût particulier, et ce qu'ils font, c'est que quand ils découvrent de la bouffe et ils savent pas ce que c'est, et ben ils envoient les vieux et les malades goûter la bouffe avant eux.
Bref, un des effets secondaires de cette scopolamine, et vous allez en être totalement témoin, outre le fait qu'on a la bouche complètement pâteuse, c'est-à-dire qu'en fait on ne sécrète plus quasiment de salive ou de sucre, on est complètement sec, mais à côté de ça, ça rend un poil euphorique quand même. Alors quand on sait que simplement le fait de flotter en 0G rend euphorique, vous allez comprendre très vite pourquoi à chaque vol, vous allez entendre des gens faire « Yeah, it's awesome, wow, yeah, it's great, ah !» Un médicament qui rend un peu con, voilà. On va le dire comme ça. Ça rend pas méchant ni rien, hein. Ça rend un peu con. That was awesome. Ah, et bien sûr, comme on était dans un vol avec Veritasium et Physics Girl, vous comprendrez aisément que dans le son original de ce que vous allez voir, il y a beaucoup d'anglais. Cela dit, on n'est pas allé faire un vol 0G juste pour se faire plaisir, même si on va pas se mentir, on y a beaucoup été pour se faire plaisir. On a quand même décidé de faire ça sérieusement et d'essayer quelques expériences pour voir comment les choses se comportaient en 0G. Donc je laisserai Diana et Derek expliquer sur leurs chaînes respectives les expériences qu'ils ont effectuées, avec plus ou moins de succès. Parce que c'est bien beau de prévoir des expériences avant quand on est au sol, hein, mais je peux vous dire qu'en l'air, on ne contrôle rien. Donc voilà, donc des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Et bon, c'est le jeu de la vie. Pour ma part, les expériences que j'ai tentées, bah, j'en avais déjà deux qui étaient relativement similaires, même si elles ne sont pas exactement les mêmes. C'est la première, c'est que je voulais voir comment allait se comporter un ballon d'hélium en 0G, enfin précisément pendant toute la durée du vol parabolique, c'est-à-dire pendant la phase d'accélération, pendant la phase d'injection, donc où on est en microgravité, et pendant la phase de récupération, où on est à nouveau en hypergravité. Donc, je vais voir comment allait se comporter un ballon d'hélium dans ces circonstances. De la même manière, voilà, j'avais une bouteille de flotte qui était à moitié remplie d'eau. Alors on a coloré l'eau en bleu avec un colorant à la con, mais ça reste de l'eau, hein, je veux dire, voilà, c'est juste pour que ce soit visuel. Donc qui était à peu près à moitié remplie, ce qui fait qu'il y avait donc une énorme bulle d'air au-dessus. Et je voulais voir ce qu'allait devenir cette bulle d'air en microgravité. Par ailleurs, j'en ai profité également pour vérifier 2-3 trucs que je pensais savoir sur la mécanique newtonienne, c'est-à-dire sur les mouvements des corps, quand on est en total 0G, quoi. Hein, que normalement, on est censé, un mouvement est censé ne pas être interrompu tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle, et quand il y a un choc, eh ben, il est censé se passer des actions et des réactions, enfin, tout ça, vous allez le voir. Ah si, une petite dernière aussi que je voulais faire, c'est-à-dire que vous avez déjà vu, si vous avez regardé des vols paraboliques, vous avez déjà vu que au moment où on passe en 0G, tout le monde décolle du sol. Il n'y a aucune raison que tout le monde décolle du sol, en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impulsion pour les faire décoller. Eh ben, j'ai fait une expérience pour vérifier exactement pourquoi est-ce que tout le monde décolle du sol. J'aimerais bien juste pouvoir me débarrasser de ces deux ballons, je sais pas comment faire pour l'instant. J'ai trouvé un moyen de les accrocher. Alors on va quand même prendre quelques secondes pour expliquer précisément ce qui se passe durant une parabole pour s'emmener en 0G. Alors parce que vous avez tous vu ce graphique là où on montre que bah, l'avion monte, on est écrasé, on est à 1,8G à peu près. Ensuite, hop, injection, on est en parabole, on se retrouve en micro-G, enfin en microgravité, donc en quasiment 0G. On se retrouve je crois en 0.01G, quelque chose comme ça. Et ensuite, récupération, et donc là, on reprend de l'hypergravité. Et alors, comment ça se passe? Il y a une analogie qui est ultra simple, et que tout le monde a déjà expérimenté. Si vous avez un objet dans la main, et que vous le lancez en l'air comme ça, bien, au moment où cet objet quitte votre main, là, au moment où il se retrouve en l'air, en réalité, il est en 0G. Parce qu'il n'est soumis qu'à son propre poids. Rappelez-vous, hein, j'en avais parlé dans la vidéo sur la relativité générale, c'est quand Einstein regardait les gars qui bossaient sur le toit, il disait, si le mec tombait du toit, pendant sa chute, est-ce qu'il sentirait son propre poids? La réponse est non, il serait soumis que à son poids, donc en 0G. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'avion ne veut pas nous laisser tomber comme des merdes jusqu'à ce qu'on soit au sol. L'avion veut nous lancer, mais également nous récupérer. Donc pour nous lancer, ce qu'il faut, c'est bien sûr accélérer vers le haut. En l'occurrence, on a un mouvement juste vertical. Mais quand on avance avec un avion, ça fait une parabole, hein, du coup. Mais c'est donc accélération vers le haut pour nous donner de l'élan. Ensuite, on décolle, on est en l'air, en 0G. Et ensuite, il doit nous récupérer. Et nous récupérer, pas nous écraser comme des merdes. Donc il doit descendre avec nous, nous accompagner dans le mouvement. Et ensuite seulement nous récupérer pour nous remettre dans une situation où on n'est plus en chute, puisqu'on est en train de tomber. Ce que les footballeurs appellent un amorti. Le footballeur ou n'importe quel sportif qui joue avec une balle, c'est un amorti, c'est le principe. Hein. Vous accompagnez le mouvement jusqu'à l'interrompre complètement. Mais ça veut dire à un moment donné, bloquer. Ça veut dire accélérer.
dans l'autre sens. C'est la fin de la parabole. C'est le moment où il y a à nouveau de l'hypergravité pour nous remettre à niveau. Voilà. Alors, ce qui est dingue, c'est que quand on est dans l'avion, on n'a absolument ni la sensation de monter, ni la sensation de descendre. Les gens qui pourraient s'imaginer que c'est comme les montagnes russes, quand ça tombe, etc. Pas du tout. Parce que dans une montagne russe, vous êtes maintenu. Donc, votre corps est obligé de descendre. Et ce qui est à l'intérieur de votre corps flotte. C'est pour ça qu'on est malade. Là, il y a tout qui flotte. Donc on n'est pas du tout malade et on n'a absolument pas la sensation ni de monter ni de descendre. Par rapport au ballon d'hélium, ce qui se passe, c'est qu'à Smarter Everyday, il y a quelques mois, qui avait fait une vidéo que je vous mets ici, dans laquelle il montrait que quand il accélère en voiture et qu'à l'intérieur de sa voiture, il y a un ballon gonflé à l'hélium, le ballon en fait s'oriente dans le sens de l'accélération. Il n'est pas tiré vers l'arrière comme on pourrait imaginer que ce soit le cas, mais bien vers l'avant. Et pareil, quand il freine, hop, le ballon part vers l'arrière. Et on voulait voir justement ce qui allait se passer en 0G, notamment pendant les phases d'hypergravité, est-ce qu'on allait retrouver cette histoire-là avec les ballons qui allaient pencher vers l'avant de l'appareil. Là, on est en train de freiner, ça part par là. Non. C'est totalement contre-intuitif parce que quand on avance, en fait, le ballon suit notre direction. On tourne par la droite, voilà. Ça, c'est marrant. Now here's the take-off. If you go right like this. Et en fait, quand on passe en hypergravité, c'est pas ça qui se passe, parce que l'accélération se fait, de notre point de vue à nous, vers le bas, c'est-à-dire vers le sol. On est écrasé contre le sol, pas du tout vers l'avant. Du coup, le ballon d'hélium, en fait, la corde se tend, le ballon d'hélium est poussé vers le haut. Mais au moment où on rentre en 0G, la 0G n'est pas totalement parfaite. C'est-à-dire qu'au début, il y a toujours une petite phase durant laquelle on est quand même un peu accéléré vers l'avant. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, quand on se met à flotter, on se met tous à flotter vers l'arrière de l'appareil. Et pendant ce temps-là, vous pouvez voir que les ballons, eux, vont bien vers l'avant. Et ensuite, une fois qu'on est vraiment en microgravité, là, les ballons se comportent comme des ballons. C'est-à-dire qu'ils rebondissent comme ils peuvent. Et ils ne changent pas de trajectoire jusqu'à ce que la corde soit tendue. Donc c'est une première expérience qui est plutôt réussie. D'ailleurs, on a profité de la première parabole pour effectuer cette expérience-là, parce que la première parabole, on nous dit bien, c'est la première fois que vous vous mettez en 0G, donc vous ne faites rien de spécial, juste vous vous laissez porter par le truc. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a qui se laissent mieux porter que d'autres. Je veux dénoncer personne. Mais il y en a un parmi nous, qui a une chaîne qui s'appelle Veritasium, qui, jusqu'à la fin du vol, a quand même du mal à contrôler ses mouvements. Alors, je fais pas trop le malin, parce que moi, c'est un peu pareil. Mais on sent quand même, Diana était quand même beaucoup plus à l'aise, hein, rapidement. Même si elle n'a pas arrêté de se cogner. Hein, c'est pas mal que toutes les parois soient en mousse, parce qu'on se cogne beaucoup quand on est en 0G. Oui, on se cogne. Et je vais vous dire un truc, on a beau savoir, parce que là, on était quand même 3, 4 si on compte la caméra woman de Derek, on était quand même 4, voilà, à savoir exactement ce que c'est que la microgravité, à savoir comment ça fonctionne, et à savoir qu'on ne maîtrise rien. Mais on ne peut pas s'empêcher tous d'avoir ce réflexe un peu débile, consistant à essayer de nager pour contrôler notre mouvement. Ce qui ne fonctionne pas du tout. Il y aurait de quoi en faire un bêtisier tellement c'est... Whip. Ensuite, j'ai profité d'une parabole pour envoyer un petit message à Michael Stevens de Vsauce, parce que voilà, on espérait qu'il puisse venir aussi participer au vol. Malheureusement, mais heureusement pour lui, hein, je veux dire, voilà, il était en tournée de spectacle avec Adam Savage, anciennement Mythbusters, hein, où il faisait un spectacle qui a l'air de ouf. J'aimerais bien que ça arrive en Europe, d'ailleurs, ce spectacle, parce que ça avait l'air pas mal. Et donc, du coup, j'en ai profité pour lui faire ce petit message, voilà. Michael, we miss you. We wish you were here. Un peu cucu, hein, mais... comme scopolamine, quoi. On était tous totalement niais, hein, dans cet avion. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs en profiter pour voir Jean-François Clairvoy, hein, donc le président de Novespace, qui d'ailleurs est un astronaute, hein, qui a participé à réparer Hubble, le gars en voie du lourd, qui ne peut pas s'empêcher de se la péter à chaque parabole. Voilà. Il fait des squats pendant l'hypergravité, il s'assoit à l'envers, il fait des trucs de...
Mais bon, voilà, mais il peut, hein, il envoie. Ensuite, donc, je l'ai dit, la bouteille d'eau. Alors là, actuellement, on est en train de voler, mais on va dire à un rythme normal, une accélération normale, ce qui fait qu'on est à peu près comme sur Terre. Donc si je prends cette bouteille qui est simplement de l'eau colorée, si je la secoue, des bulles vont apparaître et vont rapidement se dissiper, c'est-à-dire que l'air va remonter, comme on en a tous fait l'expérience, n'importe quand, voilà. Et en 0G, ça va être un peu différent. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que évidemment en 0G, cette bulle d'air n'a aucune raison d'aller plutôt en haut qu'en bas. Donc là maintenant, si je secoue la bouteille, les bulles n'ont aucune raison d'aller ailleurs, vers le haut, vers le bas, donc on voit pas bien, je vais essayer de secouer un peu plus. Mais on voit que les bulles restent au milieu. Et que tout flotte, c'est assez incroyable, c'est assez invraisemblable comme... Voilà. Vous pourrez observer que les membres de l'équipage et du staff de Novespace qui sont avec nous dans l'avion passent leur temps à nous courir après pour s'assurer que, en fin de parabole, on a bien les pieds vers le bas. Parce que quand on retrouve la gravité, on passe de 0G à 1,8G très très vite. Et voilà, donc, même si c'est de la mousse, ils ont quand même pas envie qu'on vienne s'éclater comme des merdes, surtout que sinon on le ferait à chaque parabole. Au moins les 5-6 premières, c'est une évidence. Parce que voilà, parce qu'on contrôle rien, donc on est à l'envers, on est dans... Bah non. Voilà, donc ils sont là toujours à nous dire « feet down, feet down, feet down voilà. ». Ça veut dire les pieds en bas. Ça, vous le saviez, je pense. Ensuite, il y a cette question que je me posais, c'est-à-dire que dans tous les vols 0G que j'ai pu voir, à chaque fois que d'un coup on se retrouve en microgravité, bah, on a tous les gens qui décollent. Je me dis « mais c'est quoi ? Ça veut dire que l'avion tombe un peu plus vite ?» Il n'y a aucune raison de décoller si on est en 0G. Si on n'a pas de mouvement, on garde pas de mouvement, on accompagne le mouvement de l'avion. Et donc pour tester ça, en fait, on a fait une petite expérience avec des balles en mousse qui sont très légères. Et quand on rentre en hypergravité, on a mis ces balles en mousse à côté de nous, et vous allez pouvoir voir qu'au moment où on se met à décoller, les balles en mousse en question ne décollent pas mais roulent. Et la conclusion de ce truc-là, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on est propulsé vers le haut par le sol, qui est donc en mousse, hein, comme je l'ai dit, et qui, dès qu'il ne supporte plus notre poids en hypergravité, se détend et donc nous pousse. Et cette petite poussée suffit à nous faire décoller. Alors que pour les balles en mousse, il n'y avait aucune poussée vers le bas, ou vraiment quasi rien, ce qui fait qu'elles peuvent rouler jusqu'à rencontrer le moindre obstacle, auquel cas, bim, elles décollent. Hein. Je veux dire, ça ne change pas. Mais voilà, donc c'était marrant de voir que La simple détente de la mousse sous nos fesses suffit à nous faire décoller en 0G. Donc comme vous avez pu le voir, nous en fait on s'accroche comme on peut dès qu'on est en 0G, parce qu'on n'a aucun contrôle de rien. Donc il y a des lanières de partout justement pour qu'on puisse se tenir à quelque chose, pour contrôler un peu nos mouvements. Mais la danseuse a eu cette grande idée de vouloir danser en 0G devant un fond vert. Et le fond vert, en fait, rendait inaccessible toutes les attaches. Ce qui fait qu'elle pouvait s'accrocher nulle part. Et donc elle faisait... Eh bien, elle faisait comme elle pouvait. Voilà. Donc je ne vais pas trop vous en montrer parce que j'imagine qu'elle va avoir sa propre vidéo à montrer, mais voilà, je mets quelques secondes pour que vous imaginiez la difficulté du truc. Ouais. Et pour ma part, ça avait beau être déjà la cinquième parabole, je prenais un peu trop la confiance et je me suis dit que c'est bon, je maîtrisais. En fait, non. Bon, après, on a fait la petite parabole qui fait plaisir où j'ai fait voler un TARDIS parce que voilà, c'était l'occasion de faire voler un TARDIS. Cela dit, c'est pas inintéressant parce que ça permet de montrer justement ce qu'on sait de la mécanique newtonienne, à savoir que bah, quand vous initiez un mouvement et qu'ensuite vous laissez tranquille, il n'y a plus de force qui entre en jeu, eh ben, il n'y a aucune raison que le mouvement s'arrête. Et donc, vous avez le mouvement qui continue jusqu'à ce que moi-même, je l'interrompe. Mais il y a Diana qui a fait un truc plus intéressant encore avec un gyroscope, mais je vous laisserai regarder sa vidéo pour vous en rendre compte. Mais moi, j'ai fait voler un TARDIS. Ouais, ma gueule. Le truc qu'ils font à chaque fois, c'est le Human Ring. Alors, c'est totalement ouf. C'est-à-dire que quand vous y êtes, faut bien imaginer qu'à un moment donné, vous avez des gens au-dessus de vous, puis à côté, puis en dessous de vous, et vous n'avez pas du tout la notion de haut, de bas, de gauche, de droite. C'est-à-dire que vous êtes en train de tourner tout ce qu'il y a de plus normalement et naturellement. Et c'est visuellement assez dingue, je trouve. Voilà. Même si c'est un petit peu ridicule comme truc.
Mais c'est, on s'en fout. Genre, encore une fois, scopolamine, hein, on était genre hey, awesome, yes. Voilà, donc si je devais résumer le Human Ring, hein, d'un point de vue scientifique, la pertinence, c'est... Osef, on s'en fout, aucune pertinence scientifique. D'un point de vue fun, c'est très sympa. Ouais. Et c'est presque aussi sympa, c'est du même ordre de sympatitude que le truc d'après. Alors le truc d'après, et n'y voyez aucun sexisme s'il vous plaît, hein, c'est juste géré comme ça, c'est qu'on a joué au volleyball, mais en fait avec Diana dans le rôle de la balle. On a joué au Diana Ball. Et notamment, ça a permis de valider aussi un autre truc de la mécanique newtonienne, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, si vous regardez bien, c'est au moment où Derek renvoie Diana. Cette phrase est complètement folle. Donc au moment où Derek me renvoie Diana, vous allez voir que son pied se déloge de là où il était, ce qui fait qu'en fait, il ne prend plus appui sur rien. Et donc vous avez une démonstration parfaite de ce que c'est que l'action-réaction. C'est-à-dire qu'au moment où il pousse Diana, eh ben, il recule avec la même intensité, dans la direction totalement opposée. Donc même ce truc un peu chelou de Diana Ball, ça reste une expérience scientifique valide. Ouais. Après, évidemment, on a fait toutes les conneries qui sont imaginables, de s'asseoir à l'envers, de machin, enfin, ça c'est... Voilà, on va pas vous tous les montrer, parce que vous avez déjà vu ça plein de fois. Il y a quand même la fameuse parabole où on nous envoie des boules d'eau, et donc on les boit. Alors moi je suis super fier parce que j'ai réussi à boire un peu d'eau. D'ailleurs, on m'entend fièrement dire « I got some ». Mais surtout, surtout, il y a deux choses qui se produisent pendant ce temps-là. C'est d'abord, d'une, il y a Derek qui désespérément essaye de choper de l'eau. Et comme ça a été tourné en haute vitesse, donc en slow-mo, ce qui se passe, c'est que quand il se foire, on a l'impression qu'il se foire, mais qu'il arrive 2 heures après, quoi. Et c'est un peu ridicule, donc je vous le laisse, parce que ça fait plaisir. Même si c'est un peu salaud, mais voilà, ça me fait marrer. Et si vous êtes attentif, vous pouvez entendre un petit bruit sourd, un petit pouf, qui montre que, en fait, Diana s'est cognée, mais qu'elle n'a pas fait semblant, quoi. Elle s'est cognée pour de vrai, et je vous laisse voir pour quelle raison est-ce qu'elle s'est cognée. Ouais, c'était assez dingue à voir, ce truc-là. Je vous laisse regarder sur sa vidéo à elle, hein. Tout le détail, voilà. Et pareil, il y a aussi la vidéo de Veritasium, il y a plein de choses à voir, notamment, il a fait une flamme en 0G, et puis il a fait son fameux Slinky, pour voir comment il allait se comporter en 0G. Ce qui nous amène à la 13e parabole, qui est une parabole en gravité martienne. Donc là, on n'est plus en 0G, on a un comportement de l'avion tel que tout se passe comme si on pesait en fait un tiers de son propre poids. Et j'ai rien à montrer de cette parabole, parce que pendant cette parabole-là, j'étais dans le cockpit. J'ai rien filmé, voilà, c'était juste marrant de voir les trois pilotes, parce qu'on a trois pilotes qui bossent en même temps à maintenir la microgravité, ou la pseudo-gravité, quand ils changent de valeur de gravité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'occupe uniquement du roulis, et un autre qui s'occupe du tangage et du lacet, et le troisième qui s'occupe de la poussée. L'idée étant, quand on a une parabole en 0G, qu'à un moment donné, on ait une portance de l'avion qui soit nulle et une traînée de l'avion qui soit nulle. Donc ça se joue avec les différents angles de rotation de l'avion et la poussée pour contrebalancer totalement la traînée. C'est un boulot de ouf, hein, ça se fait à 3. Les gars, ils sont au millimètre, je sais pas, c'est ultra minutieux, mais ils font ça vachement bien, voilà.
Là, j'ai pu meubler pendant toute la parabole martienne, laquelle j'ai encore une fois strictement rien fait. Ce qui nous amène aux deux paraboles en gravité lunaire, où là, je me suis fait plaisir. Allez savoir pourquoi je me suis dit que j'allais faire un truc totalement épique. J'allais faire un saut à la Iron Man ou à la Spider-Man, un truc vraiment qui envoie du pâté, quoi. Un truc où on allait pouvoir être fier, se dire genre, ouais, boum, voilà. Et si vous tendez l'oreille, pendant que je prépare mon saut, vous allez entendre un gars de l'équipage dire « Alors fais attention, tu sautes pas vers le haut, tu sautes bien vers l'avant. » Ouais. Vers l'avant, pas vers le haut. Ouais, ouais. Ce qui donne en tout premier lieu ça. Ça, c'est fait. Mais ce qui donne ensuite, effectivement, je crois, le saut le plus épique de ma life. Sous plein d'angles, hein, parce que je suis vraiment fier de celui-là. Première fois de ma vie que je fais un truc comme ça. Voire même, ça s'est terminé en salto, cette histoire. La seule fois de ma vie que j'ai fait un salto. D'ailleurs, je le dis moi-même. Hein. Jamais de ma vie, j'ai fait un salto. Là, parce que scopolamine, ça rend ouf un peu. Voilà. Mais bon. Parabole lunaire d'après, bah la même, voilà. J'ai fait un saut qui voulait rien dire, qui était bien vers l'avant, pour le coup. Hein. Il était pas du tout en hauteur, il était bien vers l'avant. Mais j'en ai profité quand même pour faire un petit truc qui me tentait depuis pas mal de temps et où en 0G on contrôle pas suffisamment bien la chose pour pouvoir le faire finement, mais là en lunaire c'était bien. C'est je voulais absolument être en l'air au moment où la gravité revient. Voilà. Ce qu'on voit à la fin de cette parabole-ci. Il manque juste un petit bruit pour que ça rende mieux, pour qu'on se rende mieux compte du truc. Voilà, là c'est mieux. Et après, ils nous ont fait une petite surprise, c'est-à-dire qu'on avait prévu 15 paraboles, et ils se sont dit, allez, hey, on vous en fait une petite dernière, qui était à nouveau en 0G, donc celle-là, fallait qu'elle compte. Donc on a fait n'importe quoi. Jason, you remember this one? Okay, I'm coming. Love it. As well, okay. Hey! What's up? Hello! Oh, sorry. How are you doing? Great! 20. And... bang! C'était épique et c'était complètement ouf. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il y a plein de trucs à retenir de tout ça. D'ailleurs, il va y avoir très prochainement une vidéo où je vais discuter avec des gens de Novespace justement de ce qu'ils font et à quoi ça sert, parce que ça sert à plein de choses, les vols paraboliques. Hein. Ça ne sert pas uniquement au tourisme, au loisir. Vous pouvez, hein. Si vous avez envie de faire ce vol-là, vous pouvez le faire en individuel. Ça coûte un peu rush, hein, on va pas se mentir. Je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 6 000 euros par personne.
Voilà. Mais ça sert à plein d'autres choses. Et c'est une expérience, comment vous dire? Parce que les autres l'ont dit aussi, et ils ont eu autant de mal que moi, je pense, à trouver les mots, c'est-à-dire que c'est une sensation qui ne ressemble à rien d'autre. Au début, moi, j'avais peur que ce soit une sensation, vraiment la sensation de tomber, comme dans les grands 8. Je déteste cette sensation, vous savez, au moment où ça bascule et qu'on tombe. Et en fait, c'est pas ça, puisque comme je l'ai dit, on n'est pas attaché, ce qui fait qu'on n'est pas tiré vers le bas. La sensation, si j'essaye de la décrire, c'est pendant la première demi-seconde de la parabole, vous avez le sentiment que l'avion, en fait, se dérobe un petit peu sous vous, mais ça dure une demi-seconde, et ensuite vous flottez. Mais vous flottez, alors vous flottez pas comme on flotte sur l'eau, vous flottez pas comme on peut flotter entre deux eaux, c'est juste que vous flottez, quoi. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que c'est pas quelque chose qui ressemble à ce que vivent les astronautes, à ce que peut vivre un Thomas Pesquet actuellement dans la Station Spatiale Internationale. C'est exactement ça. C'est juste que sa parabole à lui est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue. Mais c'est exactement ça. Et de se dire voilà qu'on a pu vivre pendant quelques secondes, fois quelques fois, donc en tout, je crois qu'on a dû passer quelque chose, ben, c'est facile, 22 secondes fois 15. Donc ça fait 330 secondes, ça va nous faire du 6 minutes 30, hein, du 5 minutes, 5 minutes 30, voilà. Donc on a fait grosso modo, mais c'est peut-être, non, parce qu'il y a eu les lunaires, les martiennes, bref, grosso modo, on a passé 5 minutes en microgravité. Ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, moi, je... Encore une fois, je remercie tout le monde, hein. C'est grâce à vous, c'est grâce à moi aussi, hein, parce que c'est quand même moi qui ai fait les vidéos, on va pas se mentir, mais c'est quand même grâce à vous si aujourd'hui j'ai ces possibilités-là, voilà. Et puis grâce à Novespace, hein, aussi, voilà. Donc c'est pas un placement de produit ni rien, ils m'ont pas donné de blé, hein, qui avait pas besoin, hein, ils m'ont déjà offert le vol, donc c'est bien déjà, voilà. Mais c'est vraiment grâce à tout ça, tous ces gens-là, qu'aujourd'hui je peux faire des trucs qui sont insensés, qui sont hors de la portée du commun des mortels, normalement. Donc ça, je suis très très reconnaissant à vous toutes et à vous tous de ça. Mais voilà, mais j'espère, cela dit, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça. Et n'hésitez pas à aller mettre le pouce comme ça à Diana et à Derek sur leur chaîne respective. Abonnez-vous à leur chaîne si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas sur ma chaîne, évidemment, abonnez-vous sur ma chaîne. Si vous venez sur cette chaîne, vous êtes nouveau, vous venez par Diana ou par Derek, si vous ne parlez pas un mot de français, je suis désolé pour vous, les gens, je ne sais pas ce que vous venez foutre ici. Maintenant, si vous parlez français, vous êtes évidemment les bienvenus. Il y a des sous-titres en anglais, voilà. Si vous venez par eux, que vous parlez français, que vous avez des potes qui ne parlent pas français, mettez des sous-titres en anglais. Aujourd'hui, on peut faire ça. Donc, n'hésitez pas, faut qu'on soit nombreux, faut que ce soit international, faut qu'on rigole bien sur ce... On rigole bien, putain, mais c'est... Bref, merci à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir y penser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme je l'ai dit, pouce bleu. Si c'est pas le cas, pouce rouge, si vraiment vous avez envie de mettre un pouce rouge, mais vous vous sentez pas obligé. Surtout, d'ailleurs, comme je le disais, n'hésitez pas à clapper, n'hésitez pas à aller clapper d'autres personnes. C'est hyper important, voilà. Je vais pas le dire pour moi, comme ça fait pas le gars qui fait son autopromo, mais aujourd'hui, ce qui fait qu'une chaîne YouTube va marcher, c'est vraiment les pouces bleus, les vues et les commentaires. Donc, si vous avez vu une vidéo de quelqu'un qui vous a plu, que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller mettre le pouce bleu, regardez votre historique de vidéos visionnées, allez coller des pouces bleus à tout le monde, quoi. Enfin, tous ceux qui vous ont plu. Et ceux qui vous ont pas plu, allez coller des pouces rouges. C'est con, mais c'est important. C'est ce qui va faire... C'est-à-dire que il y a plein de chaînes où les gens le font et du coup, ça fausse complètement les résultats. Donc, allez mettre sur les gens que vous appréciez, allez leur mettre des pouces bleus, allez leur mettre des commentaires. En plus, ça leur fera plaisir, surtout les commentaires. Les pouces bleus, on va pas se mentir, ça fait plaisir quand il y en a plein. Mais en vrai, moi, perso, je m'en fous. Voilà. Les commentaires, ça me fait beaucoup plus plaisir. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et on se retrouve très bientôt sur la chaîne secondaire également pour d'autres choses. Et notamment, je vous l'ai dit, dans les prochains jours, le temps d'organiser tout ça, il va y avoir une vidéo donc avec les gens de Novespace. Là, une fois que ce sera prêt, vous verrez le lien ici directement. Les gens de Novespace qui expliqueront. Alors, le but, c'est pas du tout de faire la pub à la société Novespace, même si franchement, elle mérite. Hein. Mais en vrai, ça n'a aucun intérêt parce que je veux dire, le public de Novespace, c'est pas le grand public. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des pubs pour que vous et moi, on voit ce qui... Voilà. Mais c'est important de montrer à quoi ils servent. Notamment, moi, j'ai été épaté d'apprendre que il y a plein d'expériences scientifiques qui sont faites en vol parabolique et qui donnent suffisamment de résultats probants en vol parabolique pour qu'on n'ait pas besoin de les tester dans l'espace. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. J'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez quand ce sera là. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser.